I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! A spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office." Alors, bonjour ou bonsoir, j'espère que ça va bien, chers auditeurs. Mon nom est Jonathan Drapeau, a.k.a. Johnny D. Je suis avec mon partner de toujours, Benoît Laferrière, a.k.a. Nashtrada Ben. Comment ça va, mon Ben? Ça va très bien. Écris, mais ton nom, plutôt, ça aurait dû être Johnny D, mais c'est champion du monde à NXT. Ben yes, oui, je vois très bien. Et puis là, on va rapporter des nouvelles qui se sont produites dans les deux dernières semaines. Oui, ça a bougé pas mal dans les dernières semaines. Vous savez, dans le fond, en début de semaine dernière, le défunt Terry Funk est décédé, la légende vivante, malheureusement, est décédée. Et puis, comme on avait écrit dans notre article là, récemment, ben nous, on gardait contact avec la famille Funk, mais on était au courant un petit peu de l'état de santé qui était progressif là, de M. Funk. Ça faisait des années qu'il faisait de la démence. La démence, c'est ça, exactement. Puis... par respect pour la famille, ben on avait gardé l'information confidentielle. Parce qu'on aurait voulu éventuellement avoir Dory Funk Jr. Oui, c'est ça. Ben là, si son frère vient de mourir, on n'aura pas le tanner pour. Ben non, c'est sûr, puis c'est pas la bonne période pour ça. C'est pas un bon timing. Fait que dans le fond, on va les laisser vivre leur paix avec ça. Exactement. Et puis, est-ce que tu veux parler un petit peu de Terry Funk là, rapidement? Dans le fond, Terry, c'était un lutteur professionnel qui a commencé en 1962. 72 ou 65? Il me semble que c'était en 60. Dans le vrai visage de la lutte, ça fait 32 ans que je fais de la lutte, c'était en 97, en tout cas. C'est ça. Dans les années, des années 60. 65. Pour moi, c'était one of the greatest of all time. Là. Au vrai, là, c'est un des plus. Un lutteur, peu importe la génération, qui s'est toujours adapté. Ouais, il avait changé son style technique brawler pour le style hardcore Des années 90. Tout à fait. Puis il s'est toujours adapté. Puis c'est un des seuls lutteurs aussi qui a travaillé pour comme WWE, NWA, WCW. Et WWE, ça change. ECW aussi. Oh, ECW, ouais, oui. Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, on va relayer dans le fond, quelques faits sur Terry Funk. Entre autres, il a été champion du monde poids lourd de la NWA à deux reprises. Il a été un précurseur du style No Holds Barred et hardcore dans le catch avec des matchs notoires, brutaux et sans règles. Yes. Avec un certain Mick Foley, avec Sabu. Il a formé une équipe légendaire avec son frère Dory, qu'on parlait tantôt, dans le fond, les Funk Brothers. Funk a participé à des matchs inoubliables pour des promotions telles que le CW, l'Extreme Championship Wrestling, la WWE, etc. C'est là pour annoncer sa retraite à plusieurs reprises, mais chaque fois, il revenait sur le ring. Ouais, en criant « Forever ». Ouais, de Hardcore Legend. Ouais, Forever en 84. Là. Yes. Puis, il a été intronisé au Temple de la Renommée, dans le fond, de la WWE 2009. En 2009. Et puis, en dehors de la lutte, ben, tu veux-tu nous parler un petit peu de ce qu'il a fait aussi? Il a fait certaines apparitions au cinéma, dont dans Roadhouse, un bon routier en version française avec Patrick Swayze. C'est le bonne sœur incompétent qui s'était congédié par Patrick Swayze, là, qui se fait dire « Recycle-toi dans la coiffure ». Ouais, c'était pas pire. Ouais. Sinon, à part ça, dans le fond, la passion, la détermination et la capacité de Terry Funk à divertir les fans pendant des décennies, comme tu disais, dans le fond, il était capable de s'adapter à faire vraiment des belles choses et être proche de son public. Beaucoup y en a qui comparent Terry Funk à Jericho, ce qu'il fait aujourd'hui, tu sais. Ouais. Il est rendu dans une cinquantaine d'années et s'adapte encore avec les jeunes de la AEW. Là. C'est ça. Faut qu'il s'adapte. Là, faut qu'il... Exact. Fait que c'était pas mal. Se mettre en shape. Des derniers là, de ces années-là, de ces belles années. Et puis, il a écrit aussi un livre qui s'appelle Terry Funk, More Than Just Hardcore. Donc, on vous le suggère. D'ailleurs, Dory a aussi sorti un livre là, récemment, là, Dory Funk. Oui. Fait que ça vaudrait la peine que vous en.
Une petite anecdote qui n'est pas marquée là-dedans, mais qu'on a mentionné dans l'émission du Million Dollar Man, c'est que c'est les Funk Brothers qui ont entraîné Ted DiBiase. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Tout à fait. Tout c'est pour ça que Ted DiBiase était toujours. Tu sais, quand il luttait, ça ressemblait un peu à Terry Funk, d'une certaine manière. En frais de technical, pas en frais de. Ouais, ouais. Pas en frais d'hardcore, là. Non, mais... non, mais en frais de. Tu vois qu'il le style texan. Il était à bonne école. Ouais, là. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Et puis, ben, on se souviendra, dans le fond, des matchs légendaires de Terry Funk au Japon, surtout avec Jumbo Tsurata, Stan Hansen. Puis, Stan Hansen. Tu te souviens-tu du fameux Tournament of the Dead pour l'ancienne fédération de... Avec Cactus Jack en finale? Oui. Vidéo que tu m'avais envoyé. L'ancienne ouais. fédération de lutte de Atsushi Onita. Qui était la FMW à l'époque. Là, c'est FMW. La Frontier Martial Art. Martial Art Wrestling, où il y avait Yabusa, Joshua Blagger. C'est ça, exactement. Joshua Blagger, il était sur la... Non, il était pas là. Non, c'est ça, pas Joshua Blagger. Peut-être Yabusa... Thibaut Dragon. OK, avait... Mike Awesome, Masato Tanaka, t'es là-dedans. OK, ouais, j'ai versé avec les JP. Mike Awesome... Ben, bref, Tony, les Japonais qui ont été à ECW là, de... ouais, occasionnellement étaient là-dedans. Exactement. Puis ben, on se souviendra qu'il a fait des matchs légendaires là, avec Cactus Jack à l'époque. Oh, ça, c'était son... Des matchs où ils s'étaient rendus en grande finale. C'était assez sanglantant hein, ce combat-là. Ouais, disons que le barbelé, les punaises. Finalement, on arrête de faire une émission spéciale sur Terry Funk. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine de prendre. On avait promis qu'on ferait un hommage, c'est ça qu'on fait. Yes! Et puis, dans le fond, en 2017, il a officiellement annoncé sa retraite professionnelle. Fait que il a lutté pendant plus de 40 ans. Mais là, il devait faire de la démence, là, probablement. Ben oui, je ne sais pas si tu as vu la dernière vidéo qui circulait. Là, il demandait au monde, je m'appelle Dory Funk, je suis rendu une vieille, I'm an old man, je suis une personne âgée. J'aimerais ça que vous arrêtiez de m'envoyer des photos pour que je les signe. Là. Il dit, je suis fatigué, je suis capable, c'est ça, c'est normal, à un moment donné, c'est ça. Ensuite de ça, dans le fond, il a fait un parcours à la WWF. Ben, un deuxième parcours, si on veut. Dans la période de l'Attitude Era, est-ce que tu veux en parler, moi? Oui, c'est le personnage Chainsaw Charlie, avec c'était pas une capote qui avait sur la tête, mais un bon nylon, puis c'est la fameuse Chainsaw. Yes. Son match à WrestleMania 14 avec Cactus Jack contre New Age Outlaw, le dumpster match. Là. Ouais. Ça, j'ai bien aimé. Ouais, c'était vraiment bon. Puis, au début du Rumble 98, il se donne des coups de chaise par la tête, lui, puis Cactus Jack. Yes. La fois que Cactus Jack a fait ses trois gimmicks, là. Ouais. Good Love, Humankind, c'est ça. Ben, Mick Foley a fait ses trois minutes. Est-ce que tu penses que Chainsaw Charlie, le personnage de Chainsaw Charlie, a eu tu parles de l'inspiration de Letterface, ouin, de l'FMW? Ouais, ben là, quand c'était le Caporal Kitchener, c'était-tu avant ou après? Ça, faudrait. Parce que là, c'est Tony Myers qu'on a eu en entrevue qui fait la Letterface. Ouais. Mais avant, c'était le Caporal Kitchener. Ouais, le Caporal Kitchener, c'était en quelle année? Peut-être que vous pouvez le marquer dans les commentaires, je ne sais pas quelle année exactement. Ouais, mais c'est vraiment avant. Je sais que Caporal Kitchener, il était là en 85-86 à WWE. Exact. Mais c'est vraiment... Par après, il était... Par après, c'est ça. Fait que, ensuite de ça, on se souviendra d'un match vraiment important qui s'est passé, dans le fond, Murphy Recreative Center pour l'événement de Ring of Honor, le Glory by Honor 2. Que tu avais été. Que j'avais été à Philadelphie voir l'événement. Avec M. Claude Provost. Oui. On salue d'ailleurs. Salut, yes. M. Provost. Dans le fond, ce combat-là, il était contre CM Punk dans un hardcore match. J'avais vu à l'époque Terry, qui avait comme 60 ans, faire un moonsault à l'extérieur dans une table du troisième quart. J'avais capoté ma vie. C'était à Philadelphie. Oh, oui. Puis le Murphy Recreative Center, chers auditeurs, pour votre information. Le Viking Hall. C'est pas le Viking Hall. C'est pas l'ancien ECW Arena, c'est pas ça que tu mets. Non, du tout. Ok, c'est une autre affaire. C'est deux choses complètement différentes. Mais t'as vu le Viking Hall parce que t'as pris des photos. Oui, je sais. Okay. Le Murphy Recreative Center, Benoît, là, dans le fond, là, c'est la salle où est-ce que. Je sais pas si tu te souviens au début de la Ring of Honor, les lumières étaient allumées. Oh, OK, qu'il y avait des paniers de basket. Ouais. OK, c'est comme... C'est cette salle-là. Comme si on ferait, mettons ça, dans les sols d'église ou dans le gymnase de Lebrivière. Ouais, c'est ça, exactement. Ben, c'est ça. C'est une salle emblématique de Ring of Honor, mais c'était le dernier show qu'ils faisaient là. Ils n'en faisaient plus après. OK, là, ils ont comme changé le branding, puis tout a commencé à changer. Mais tu sais, c'est vraiment le pure wrestling de l'époque, là. La...
la fleur est en train d'exploser en feu d'artifice. C'est à partir de là que ça a comme explosé. Je pense qu'ils sont mis à attirer tellement de monde qu'il y a probablement qu'ils refusaient du monde dans cette salle-là. Ouais. Là, ils faisaient des tournées dans des arénas un peu plus complexes, si on veut. Yes. Et puis, on a parlé dans le fond que Terry Funk avait travaillé non seulement pour la WWE, le Japon, tout ça, il a travaillé pour la AWA, la NWA, la WCW, la WWE, le CW, le ROH que j'ai cité juste avant, la TNA, puis la All Japan Pro Wrestling. Il a même fait, tu sais, One Night Stand 2006. Je ne sais pas si tu l'avais écouté. Il était en équipe avec Tommy Dreamer contre Edge puis Mick Foley. Mick Foley, oui, c'est ça. Ah, puis c'est vrai, Edge puis Mick Foley étaient avec Lita. Puis Beulah, il était avec Terry oui, Funk c'est vrai. Et Tommy Dreamer. Il avait tombé dans le barbelu. Le bonhomme avait genre 62, 63 ans. Il est tombé dans le barbelu. Pour moi, qui ferait ça à 63 ans. C'est clair. Puis Terry Funk, selon moi, il restera toujours et à jamais gravé dans l'histoire de la lutte professionnelle. Je trouve ça un peu dommage. Tu sais, dans le fond, en ce moment, il a comme un peu passé sous le radar parce que Bray Wyatt est comme décédé le lendemain. Fait que les médias sociaux ont explosé pour Bray Wyatt, puis on dirait qu'il était un peu dans l'ombre, mais je pense que ça valait la peine qu'on prenne le temps de parler de Terry Funk. Dernière chose, c'est Terry Funk. Tu te rappelles WrestleMania 2 dans la partie de Los Angeles? Oui. Lui puis Dory Funk Jr. qui s'appelait Os Funk, probablement parce que vous avez une affaire de droit d'auteur. Ça rencontre Junkyard Dog puis Tito Santana. Là. Oui. C'est un bon match. Oh, c'était un bon match. Franchement. Oh, c'était vraiment un super de bon match. Avant le main event. Yes. Et puis, on a parlé Bray Wyatt, de Bray Wyatt, malheureusement, qui nous a quittés un peu trop tôt, à l'âge de seulement 36 ans. En l'honneur de Bray Wyatt, comme on dit. Et puis... nos condoléances à toute la famille Rotundo. Ben, Mike Rotundo, Barry Windham, sont tous son frère Bo Dallas. Yes. Un génie créatif qui Des passes droits qui ont fait en sorte que, tu sais, quand même, il y avait... Mais ça sortait de l'ordinaire, pareil. Ouais. À la Undertaker, un peu. Ouais. Tu sais, moi, personnellement, tu sais, Bray Wyatt, tu sais, je l'aimais pas tant, mais tu sais, je suis capable... Ben, j'ai fait un saut quand il est mort. Je suis capable de dire, dans le fond, que c'est un génie créatif, puis qui a amené la lutte à un autre niveau. Tu sais, toutes les scènes cinématographiques qu'il y a eu, tu sais, si on se souvient de la fameuse... storyline qu'il y a eu avec Randy Orton, tu sais, où est-ce que, tu sais, il se battait dans la fameuse maison des Wyatt, puis tout ça. Il y a aussi... genre de maison hantée. Ben oui, c'est puis ça. Puis l'affaire des genres de verres de terre sur le ring, là. Ah, ça bougeait, là, ça c'était débile. Ah, c'était hot, là. Il y a eu aussi l'implication de Alexa Bliss, qui est d'ailleurs enceinte, puis elle n'avait pas pu se présenter cette semaine à SmackDown pour... Là, t'as envie de coucher. De quoi c'est ça, moi, c'est pas... Elle est bien ronde, bien pleine. Là. Sinon, ben, tu sais, on peut parler un petit peu des débuts, dans le fond, de la NXT, tu sais, où est-ce que, tu sais, là, ils ont comme formé... il a fait un ski à risk quand il est arrivé. Il a fait la New Nexus. Tu as eu le premier Nexus, puis la New Nexus, c'était CM Punk qui était le leader. Là. Ben oui, c'est ça. Puis là, à ski à risk, puis là, ils ont, à un moment donné, ils ont fait faire une nouvelle gimmick, c'était le genre de gourou de set. Yes, puis Benoît, tu me corrigeras si je me trompe, mais... Non. Je pense qu'il avait fait l'Ohio Valley aussi. Ça se peut-tu? C'était pas la Florida Championship Wrestling? Florida Wrestling, ouais, je pense que c'est ça. Il était en équipe avec Bo Dallas. Ben, il n'y avait pas les mêmes noms. Non. C'est les deux petits frères qui étaient champions. C'est ça, ensemble. Ils étaient tout jeunes à l'époque. Puis ils ont lutté un peu là. Ensuite de ça, ben, c'est ça. Il y a eu la Wyatt Family avec le défunt... Luke Harper. Brody Lee, qu'on a perdu un peu trop tôt aussi. Eric Rowan puis Braun Strowman. Imagine comment ça a dû être dur pour les deux gars qui restent, que deux membres de leur famille, amitié et tout. C'était... Mais là, tu sais, je t'ai posé la question, je veux pas être satanique, puis je veux pas me faire poursuivre puis me faire prendre pour un malade mental, mais est-ce que c'est comme la famille de Bruce Lee, il y a une malédiction sur... Oui, Von Erich. Ouais, c'est ça, il y a une malédiction. Non, c'est sûr que ça peut ça, être... Ça fait deux qu'on perd en 4 ans, là. Ouais. Je souhaite pas que les autres meurent. Là. Non, c'est certain. Ce que je souhaite, par exemple, c'est que, mettons, Braun Strowman et Eric Rowan, ils se mettent ensemble et qu'ils fassent une équipe. Ça serait cool. Hein. Ouais. Moi, j'ai peut-être pas une Wyatt Family, mais tu sais, les Bludgeon Brothers, comme ils faisaient avec Luke Harper. Comme le Path of Destruction. Ouais. Le Brother of Destruction. Genre, ouais, c'est ça. Tu sais, ils détruiraient tout sur le passage. Je les verrais, je crois. Deux gros monstres barbus qui... Ben oui, moi, je... Qui mangent des enfants. Tu sais, c'est Nostradamus qui parle, mais je le souhaite grandement, là. Je peux même le prédire. Ben oui, pourquoi pas.
on ne sait jamais. Si ce n'est pas WWE, ça sera AEW ou pas. Ben oui, c'est sûr. Ça pourrait être une belle opportunité. De façon de lui rendre hommage. Puis, il pourrait faire une stable à toi. Si Bo Dallas, les rumeurs qui reviendraient, qui prendraient la relève, ça pourrait être bon, un clan à toi. Yes. Puis, on vous pose la question à vous, cher auditeur. Est-ce que vous pensez que le personnage de Uncle Odie devrait poursuivre à la WWE? Toi, qu'est-ce que tu en penses, Ben? Ben oui, moi, il faut qu'il rende hommage. Il mérite, c'est Bo Dallas, c'est quand même. Oui, oui. Tu sais, dans le beating, t'as mal utilisé, t'es avec Curtis Axel. Ils ont été champions, mais tu sais, ils jobaient. Ben, c'est sûr que là, ils vont laisser un peu la poussière retomber, comme on dit. Comme Bo Leave, là, tu sais. Ouais, il avait mangé des Germans par Brock Lesnar. Mais là, je pense que ça pourrait être une belle. Je pense qu'il mérite. Ben, il garde. Un peu comme Chavo quand Eddie est mort, tu sais. Ils ont relancé le personnage de Chavo, puis ça pourrait être bon. Oui, ça pourrait être une belle opportunité. Sinon, dans le fond, dans l'actualité, récemment, il y a eu un gros événement qu'on pourrait pratiquement appeler leur WrestleMania de la All Elite Wrestling et AEW. 80 000 personnes. Ça se déroulait à quel endroit, mon ami? Wembley Stadium. Yes, devant combien de personnes déjà? Bah, c'était marqué 80 000. Que vous êtes marqué? Yes, 80 000 qui sont. Ils ont battu le record de SummerSlam 92. Yes. C'était à peu près 300 personnes. Yes. Et puis, ben, dans le fond, les combats qu'il y avait sur la carte, là, il y avait CM Punk contre Samoa Joe. Ouais. Un combat excellent. CM Punk s'est blindé pendant le combat. Vraiment, vraiment super, super cool. Mais tu sais, comme on a parlé, on va énumérer un peu la carte. Ouais, ouais, ben ouais. Il s'est passé une situation backstage qu'on va pouvoir parler d'ailleurs, parce que là, on parle d'actualité. Ben oui. T'as entendu parler de l'intercation entre CM Punk et Jack Perry. Est-ce que tu vas en parler un petit peu? Qu'est-ce qui s'était passé? Ben là, c'est par rapport à une affaire qui faisait pas, une affaire de booking, parce que CM Punk a comme le contrôle un peu sur le booking de Collision, puis il y avait une partie sur All-In, puis là, il y a une affaire qui n'aurait pas plu à Ben en fait, Jack Perry. Je vais te l'expliquer, c'est que Jack Perry avait une idée avec un véhicule que il était supposé de faire une manœuvre dangereuse. Puis Punk avait dit on devrait changer les fenêtres de la voiture pour des vitres. Pas des vraies vitres. Puis là, la chaîne avait pogné ou je sais pas trop. Le pogné par la gorge. Ouais, puis la chaîne a pogné, tout ça, tu sais. Puis là, ben les deux sont suspendus de AEW à déterminer. Puis là, plus l'histoire avance, puis plus on en sait davantage, il semblerait que Punk aussi aurait eu des altercations cette soirée-là avec Brody King et avec Rusev. Ben Miro, ouais. Ouais, Miro. Apparemment que... Qui passe son temps à l'extérieur du ring. Ouais. Yes, on va y aller rapidement. Dans le fond, Hook a défait Jack Perry par soumission. Ouais, mais ça, c'est les matchs pré-shows. Yes, c'est comme les heats, dans le fond. MJF et Adam Cole, ils ont battu OC Open, qui est Kyle Fletcher et Mark Davis, pour le championnat de la Ring of Honor, mesdames et messieurs. Yes, ensuite de ça, ben, il y a eu Bullet Club Gold contre Konosuke Takeshi, qui était avec Don Callis. Qui ont défait dans le fond Golden Elite, Kenny Omega, Kota Ibushi puis Hangman Page par pinfall. Ensuite de ça, il y a eu FTR dans le fond. Hangman Page, excellent lutteur, c'est vrai de ça? Oui, j'en souviens. Ok, excuse-moi, je suis fou. Yes. FTR, ouais, qui ont défait les Young Bucks pour le. Yes. Ben, pour conserver. Es-tu tanné, toi, des Young Bucks? Ben là, Tanui, c'est des maudits bons lutteurs. C'est des bons lutteurs. Mais c'est vrai que... Ils prennent de la place. Ouais, c'est sûr. Que... Ouais. Ben, ils ont le contrôle et tout. Hein. Ils sont un peu avec Omega, avec CM Punk. Ouais, ben, quoi qu'ils s'aiment pas. Là. Ils ont deux clics. Là. Une clique de CM Punk et une clique d'Omega. Ouais. Mais ça, il semblerait, selon certaines personnes, que CM Punk, tout au long de sa carrière, c'était pas facile de dealer avec. Parce que j'ai écouté une entrevue récente de Rob Van Damme, puis il disait, tu sais... C'est là qui fume tout le temps, là? Ouais. Celui qui est impoli puis qui ouais, je comprends. Que j'appelle puis qui m'envoie chier. Ouais, mais c'est en tout cas. Faudrait quasiment y amener. On va aller à HQDC et chercher du pot. On va y envoyer ça par Colis Express. Ouais, puis il disait dans le fond que Punk se prenait vraiment comme au sérieux à un moment donné, tu sais, à l'époque où Punk puis Rob Van Damme étaient signés avec la WWE, tu sais, Punk il disait à Van Damme, bon. Bon, viens-t'en, là, on s'en va dans le locker room avec d'autres gars, là, on se fait un meeting. Là. Comme si c'était lui qui leadait le backstage en arrière, puis lui, il était comme, what the fuck, est-ce-tu? Pourquoi tu me dis ça? T'es,
T'es-tu mon boss? T'sais? C'est surtout un gars de cette envergure-là, RVD. C'est pas le genre de gars qui doit aimer se faire dire quoi faire par les autres lutteurs. Ben non. Surtout que, excusez-moi l'expression, mais il a crissement plus d'expérience que CM Punk, je pense, Van Damme. Pas mal plus. Ouais, ben, ça fait plus longtemps que lui qui lutte, j'imagine. Ouais, ça fait pas mal plus longtemps que lui qui lutte. Bref, tout ça pour dire que CM Punk, l'histoire en a fait que c'est une histoire à suivre, comme on dit. Ensuite de ça, il y a eu Eddie Kingston, Penta El Zero Miedo, les Best Friends qui sont constitués de Chuck Taylor, Trent Barretta et du champion Orange Cassidy, a.k.a. François Mascotte. Yes. Et puis, ils ont affronté l'équipe de Moxley, Blackpool Combat Club. Moxley, Castagnoli, Wheeler, Utah. Ça a l'air de t'entendre. Mike Santana. Non, j'ai de la misère. Non, non, il y a pas de tout. Ben, c'est ça, ils ont battu Stadium Stampede Match. Là. Yes. Ensuite de ça, il y a eu le match féminin, dans le fond. C'était un four-way match qui mettait aux pauses la championne de cette époque-là qui était Hikaru Shida, Dr. Britt Baker, DMD. Okay. Et ensuite, la Britannique Saraya. Oui. J'ai failli m'enfarger dans le mot. Saraya fond, qui est arrivée avec sa famille, d'ailleurs. C'était la Top Face. Oui, c'était ben, la Top Face, ouais, parce qu'elle vient de... Elle vient de... Oh, c'est une Anglaise. Elle est devenue championne. La nouvelle championne. La nouvelle championne devant... Devant son public de 80 000 personnes, yes. À la grande satisfaction des gens. Oui, puis elle n'a pas oublié non plus qu'il y avait aussi Tony Storm. Oui, c'est vrai, bon, Tony Storm. De cette équipe-là. Ensuite de ça, il y a eu un coffin match, un casquette match en bon vieux terme, là. Les fameux casquette match de The Undertaker. Ouais, on t'a coupé du dos, tu y as pensé. Il y avait un combat par équipe. Qui mettait qui, mon ami? Darby Allin et Sting, qui ont défait Swerve Strickland et Christian Cage with Prince Nana. Prince Nana. Oui. Ah, ben oui, oui. Ben oui, ils sont arrivés avec une troupe en dansant, là, une couple d'afro. Là, qui, c'était vraiment cool. Honnêtement, une super de belle ambiance. Ensuite de ça, il y a eu Will Ospreay, qui a défait Chris Jericho, dans le fond, qui est accompagné de Sammy Guevara. Puis, et l'autre qui t'a envoyé chier, ça. Ouais, c'est ça. Puis, dans le fond, ce qui était cool, c'est que Fozzy était sur place. Fait que dans le fond, ils ont joué la toune de Chris Jericho tout le long, puis lui, il chantait en entrant sur le scène. Puis, bon, hein. Will Ospreay, comme je disais, il a battu Chris Jericho, puis c'est cool parce que Will Ospreay vient de England. Ben oui. Il était devant sa foule en plus. Fait que c'est vraiment cool. Il y avait un super de beau costume. Comme le Bulldog quand il a battu Bretard. Ben c'est ça. Ça prenait un British pour gagner. Exactement. Puis c'est correct. Ensuite de ça, il y a eu un House Rules No Holds Barred Six Man Tag Team Match pour les titres Trios de AEW, mettant aux pauses dans le fond The Acclaim et Mr. Ass Billy Gunn face à House of Black, Malakai Black, Brody King et Buddy Matthews, accompagné de Julia Hart. Et puis, il y a eu, on parlait de Bray Wyatt juste avant, il y a eu un hommage pendant l'entrée de House of Black. Il y a un des gars qui est arrivé avec une... La lampe à l'huile. Ben ouais, mais quand tu manquais d'hydro dans le temps, c'était ça. La lampe à l'huile. Oh, t'as pas écouté Fille de Caleb, toi? Hein? Ouais, oh, je m'en souviens. Non, mais c'était lampe à l'huile. Avec Ovila Pronovo. C'est tout. Il y a de la misère à parler. Ah, mais Roy Dupuis, il a amélioré sa diction. D'ailleurs, ça pourrait mettre un bon qu'on pourrait avoir. Ah ouais, c'est sûr. J'aimerais ça. Lui et Rock Voisine. Ensuite de ça, dans le fond, il y a eu la grande finale. C'était un single match de AEW qui mettait aux pauses le champion de la fédération qui s'appelle MJF, qui a défait Adam Cole par pinfall. Puis, est-ce que tu veux parler de l'entrée qui était vraiment incroyable? Un ouais, genre de comme... petit entrée comme si c'était un roi Saint-Trône. Ouais, ouais, comme le King Mabels. Ouais, et puis il forçait comme un. Ouais. C'est quand même cool. D'ailleurs, la AEW est supposée de venir en ville à Montréal le 6 décembre, si je ne m'abuse. Normalement, c'est un événement de 2 jours. Je crois que c'est le 6... À Québec ou à Montréal? À Montréal, dans le fond. En ville. Oui, oui. C'est 3 heures de site. Oui, oui, oui. C'est le 6 décembre, si je ne m'abuse, dans le fond, que le AEW seront à la Place Belle.
Je vais juste vous valider ça. Donnez-moi un instant. Je vais vous dire ça tout de suite. Bon, tu marques AEW Montréal. Excusez-moi, dans le fond, il va y avoir comme 3 shows, mais dans le fond, c'est le 5 et le 6 décembre, chers amis, à la Place Belle, normalement. De Rampage pour les Coliseum. Ouais, c'est ça. Place Belle ou Centre Belle, je ne suis pas certain encore. Là. Ben, Place Belle, ça serait marqué Laval, là, c'est marqué Montréal. Fait... Ouais, c'est Montréal. Ça veut dire que ça serait Centre Belle. Ouais. C'est ça. Ben, c'est marqué Montréal, puis, oui. Dans le fond, il tournerait Collision. Puis la journée suivante, le 6, il y aurait Dynamite puis Rampage. Fait que ça va être un peu comme ils ont fait à Raw. Ok, j'ai dit de Rampage. Un Dynamite, ok, j'avais dit de Rampage, mais excuse. Yes. Un Dynamite, fait que dans le fond. Ils étaient un demandeur et ils seraient de Montréal. C'est ça. Fait que dans le fond, ils vont faire exactement comme ils ont fait à Raw cette semaine à Québec. Ils ont tourné des matchs de main event avant le Raw. Fait que c'est ce qu'ils vont faire exactement avec Rampage. Ils vont probablement mettre les combats de Rampage avant pour pas faire. Comme il avait fait quand j'avais été au Centre Bell, il avait tourné SmackDown puis Raw la même soirée. C'est ça. Fait que j'imagine que ça va être la même affaire. Fait que c'est une histoire à suivre. Les billets vont être en vente très bientôt sur le site de AEW, puis j'imagine que ça va être disponible sur Ticketmaster. Alors, est-ce que tu penses qu'on a fait le tour pas mal de nos émissions? Est-ce que tu veux parler d'autres choses avant qu'on termine notre belle émission? Ouais, ben là, c'est sûr que l'animateur de The Price is Right qui est décédé. Oui, il y a eu l'animateur Bob Barker. Bob Barker, qui est décédé récemment. Il y a eu aussi... Monsieur Yvon Penneau. Monsieur Yvon Penneau qui est décédé... C'est à leur famille. Oui, qui était chroniqueur à TVA Sport. Il a fait pas mal... Ouais, il était RDS aussi. Oui, oui, oui. Ensuite de ça, il y a eu aussi... Là, il y a Payback qui s'en vient de WWE. Oui, il y a Payback qui s'en vient très bientôt. Est-ce que tu veux en jaser un petit peu des combats puis tout ça? Ben, les combats, je veux dire, je sais que Trish et Becky sont dans une cage. Là. Oui, ça a été annoncé ça, lors de Raw, ouais, quand tu avais été dans le fond, avec ma fille. J'étais avec ma fille, dans le fond, lors de Raw. Il va y avoir aussi, dans le fond, un match par équipe entre deux membres de Judgment Day. C'est Wiki. Comment? Va sur Wiki. Ah, non, c'est correct. Okay. Je les ai ici rapides. Okay. Dans le fond, il va y avoir deux membres de l'équipe... Dans le fond, de Judgment Day, dans le fond, il va y avoir Finn Balor et Damien Priest face à nos Québécois qui sont champions, doublement champions. Depuis WrestleMania, d'ailleurs. Yes, Sami Zayn et Kevin Owens. Tes pronostics pour ce combat-là, mon ami? Oh, moi, je pense qu'ils vont garder le strap. Ouais, je pense. Hein? Yes. Ensuite de ça, il va y avoir Rey Mysterio qui va affronter... Austin Theory. US. Yes. Ensuite de ça, récemment, Shinsuke Nakamura est devenu heel. Donc, il va affronter une autre Rollins. Que Seth Rollins. Pour la World Ça risque d'être fort intéressant. Et moi, selon moi, en tout cas, je prie et j'aimerais vraiment beaucoup que Nakamura ramasse la strap. Je pense qu'il y a mérite. Ça ramènerait un peu le King Nakamura là, du Wrestle Kingdom de l'époque là, où il était méchant et tout ça. C'est super cool. Ensuite de ça, il y a un combat de Rhea Ripley face à... comment elle s'appelle? Raquel Rodriguez. C'est pour ça? La Women's World Championship. Yes. Ensuite de ça, il va avoir nul autre que The Miz qui va affronter, comment qu'il s'appelle déjà lui, LA Knight. Ah oui, c'est ça, LA Knight. Ouais. Et puis, il va avoir Cody Rhodes face à, je ne sais même pas c'est qui. J'ai l'air fou, là. Ah, ça ne me dit rien. Non, mais Cody Rhodes est supposé d'être présent. Donc, à date, ça risque d'être fort intéressant, honnêtement, la carte risque d'être bien remplie. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou quoi que ce soit, dans le fond, suite à tout ça. Et puis, ben voilà, j'imagine que... Ben, il n'est pas là, Cody Rhodes. Non, il n'est pas là. Disons. Mais c'est biz. J'imagine qu'il va y avoir d'autres combats. Là, qui, puis c'est ce week-end, dimanche prochain, le 2 septembre. Ouais, à Pittsburgh, Pennsylvania. PPG, Paints Arena. Yes! Alors, c'est ici que se termine notre émission d'actualité. Chers amis, j'espère que vous l'avez apprécié. Mon nom est Johnny D. Je suis avec Benoît Laferrière, qui est Nostradamus. Merci, mon Ben. Ouais, et justement, merci à tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement. L'action ne manquera pas. Au revoir!